Voilà, comme ça on revient directement sur le sur une retentative du fight. J'arrive pas à la toucher, je pense que l'épée sera pas très efficace contre elle. Et je pense que ça sera pas incroyable non plus. Je pense qu'il faut que je joue au très petit caillou. Là, c'est sa technique horrible. Waouh, waouh, waouh. Mais elle s'est soignée tout du long la conne. Putain, bien joué. Elle sait esquiver les très petits cailloux, quel enfer! Non! Mais elle l'a fait combien de fois sa technique en plus? Elle l'a fait autant de fois qu'elle veut! Elle l'a fait autant de fois qu'elle veut! Elle s'est remise full life, putain! Elle est horrible cette boss! Elle est horrible! Elle est horrible! Je vais être obligé de sortir la mimique à un moment. Et maintenant que je l'ai trouvé, est-ce que je peux aller chercher l'autre là? Pour lui dire bonjour, tu veux pas être une marque d'invocation pendant Malenia? Tu vas chier du sang, Malenia, ça plaisante pas, mais alors pas du tout. Non, mais je comprends bien. En fait, le fait qu'elle se soigne en frappant, c'est très titan. Donc là, alors, voilà, c'est ça. Elle a actuellement plus de vie que ce que je lui ai mis après le début du combat. Hein. Quoi? C'est quoi ces attaques? Quoi? Mais putain! Je vais sortir la mimique. Je vais sortir la mimique. C'est moche, mais je vais le faire. C'est moche, mais je vais le faire. Pour l'instant, j'arrive pas à passer la mid-bar. Ça va être terrible. Elle est horrible. Elle se soigne sur mon pote. Merde. C'est horrible. Ça lui fait une barre de vie en plus en fait juste. Elle s'en bat les couilles. Je vais même pas en profiter pour la dégommer parce qu'elle s'en bat les couilles. Elle se soigne. Ok. Bon, il y a une P2, c'était évident. Ah, ça va être horrible. Incoming, le truc horrible. Mais t'approches pas! C'est évident que c'est un piège! Il y a un visage dans l'arbre, j'avais pas vu. Wait. Voilà.
obviously. Ah, quel enfer, ok. Donc là, c'est la même, mais avec de la putréfaction écarlate en plus, c'est ça? Donc nous, pendant qu'on se fait drainer nos HP, elle en gagne, quoi. Vous allez découvrir l'horreur véritable. Incoming. Now rot. Attendez, mais elle vole? Incoming roté du sang, quoi. Yes, il fallait surtout pas s'approcher d'elle. Bon, Mimic, il y va. Bon, Mimic, il s'en bat les couilles. Oh là là. Merde, j'ai plus de mana, je suis obligé de le faire à la main. Faut se barrer. Pas rester là, Mimic. Elle va me buter. Ça va me tuer. Vite, c'est la fin. C'est la fin. Non. Non. J'avais plus de mana. J'aurais pas dû. Ah. Le grid. Ouais, mais en fait, quand j'ai vu que j'avais plus de mana, j'ai tombé. Il faut que je fasse un truc. Attendez. Bon, on va la passer. Mais en fait, le truc, c'est que c'est terrible parce que les boss passent d'intéressant à pourri, quoi. Quand vous les combattez avec le Mimic. Et en même temps, ce que j'ai vraiment envie de me taper la tête pendant des heures sur Malenia. Je sais pas quand même, hein. Quand même, je sais pas. Hein. Merde, elle est trop loin là. Pourquoi elle vient pas? Aïe. Regardez comme il déterre mon invoque. Faut que j'économise du mana quand je peux. Non! Cette attaque de merde! Dommage. Bien essayé, Mimic. Putain! Elle va refaire. Le dessin commis. Aïe. Non. Ah, j'aurais pas dû bouffer cette potion. Oh, j'avais bien esquivé cette première attaque la dernière fois, et là ça s'est moins bien passé. Oh. Ça s'est moins bien passé. Mais j'ai pris beaucoup plus d'attaques sur la P1 aussi, sur ce fight là. Allez, let's go. Non. Elle va mettre. Elle l'a mis à mon pote. Ah, elle a tourné juste à la fin, elle a tourné. C'est pas très gentil de sa part.
Oh, bien joué. Paf. Ça dégage. Ah, il lui restait des points de vie. Ok. Donc là... Hop, on esquive, on esquive, on connaît. Il y va, regardez-le, il y va. C'est un ouf. Oh là là. Ah. Your strength. Nice. Bot. Oh, hop là. Oh, salut bébé, comment tu vas? Mikola, my brother. Bon bah c'est battu. I'm sorry. 480 000 runes. I finally met my match. Et bah voilà. Je pouvais plus le ban DSL. T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Bah voilà, on a battu Mikaela, écoutez. Bon, en même temps, je pense que voilà, avec le Mimic, quoi qu'il arrive, les gens ont eu leur easy mode avec le Mimic. Qu'est-ce qu'on a comme arme si on va la voir? Faut juste cliquer sur le pseudo. Il y a tous les raccourcis qui vont bien. Non, non, mais c'est... Il pouvait le faire, ça. Mais c'est juste que pour le coup, j'ai été trop rapide. T'inquiète pas. Ne tente pas d'incriminer les modérateurs. De toute façon, je prends que les meilleurs. Je prends que les meilleurs. Main de Malenia. Katana tranchant perçant. Accumule du saignement et danse des ancériformes. C'est-à-dire que tu peux avoir son arme. Tu peux avoir son attaque, quoi. Je joue à côté, j'ai pas vu direct. Non, mais attends, mais y a pas de souci. Tu n'as pas à te justifier. Et est-ce que j'ai son armure ou pas? Homme de chevalier royal. Quelle horreur! Mais il sort d'où lui? Homme en argent de Loretta, chevalier au service de l'arbre sacré de Mikaela. On peut avoir son armure quoi. Hein. Oh, c'est joli ça! Ah, c'est l'armure de Loretta, c'est parce qu'on a buté Loretta. D'accord. Ça a l'air sympa, ça. Bon, bah, on va faire des level up et puis on va aller chercher le boss de fin, je pense, hein, les cocos. Ça va être le moment d'aller chercher le boss de fin. Qu'est-ce qu'on fait? On fout full dex là pour avoir de la vitesse de cast et quelques dégâts en plus sur mon arme. Ça lui fait même pas d'AR. Mais non, c'est incroyable. Mon arme ne prend même pas d'AR. C'est ouf. Regardez, c'est dingue. Bah, je vais mettre mes 3 derniers points en esprit du coup. Hein. Plutôt. Pour avoir du mana. Hein. Ceci dit, on peut donc vraiment le dire, tiens, c'est comme Elden Ring, exactement. C'est comme Elden Ring ce jeu. Bon, tout est plus 10 hein, déjà. Hein. Tout est plus 10 dans mon arsenal. Hein. On va y aller. On va aller attaquer le boss de fin du jeu. C'est Ipar. Alors, c'est où? C'est là. Tour divine d'Altus, non pas du tout. Trône d'Elden, c'est ça. Ah, attendez! Avant qu'on y retourne, attendez. Attendez, stop. Avant qu'on y retourne,
Il y a ça. Elle était où? Elle est là. Faut que je retourne voir Millicent, que je lui dise. Malenia n'est plus. Elle va me dire un truc, sûrement. There is something I must return. The will, the dignity. There is something the will. Bah oui, mais elle est morte, quoi. Elle est morte, Malenia. J'ai raté un bout de sa quête. J'ai tué Malenia trop vite. Oh. Oh, il y a une fleur qui a poussé. Matin, je commence un peu plus tard, donc je prends mon bus à 10h45. Les meilleurs matins quand tu commences plus tard. Les meilleurs matins. Bon, et puis si on finit le jeu avant la fin du stream, elle est encore là? Bah, je sais pas ce qu'il lui faut, hein. Écoutez, hein. Je sais pas ce qu'il lui faut, hein. Hop. On va aller faire le boss de fin, c'est Tipar. Je pense qu'il va falloir qu'on le fasse au Minik, pareil, lui. En vrai, il nous a vraiment éclaté la dernière fois. Service Center qui m'a dit, il y aura une mise à jour réseau, donc si vous pouvez commencer un peu plus tard. Ah, ok. Hop. Allez. Je sais plus si j'ai le temps d'invoquer mon Minik en arrivant ou pas. On se refait la cinématique pour le kiff. Oh, sacré Radagon! Je sais pas ce que c'est censé représenter là. Mais il y a un délire comme quoi Malenia et Radagon sont la même personne, non, c'est ça? C'est la rune de mort. Lui là? Ah non, le truc auquel il était suspendu? Malika, pardon. Malika, pas Malenia. Excuse-moi. En vrai, le lore de ce jeu, faudrait que je m'y intéresse plus en détail. C'est Tipar, musique épique. Il est à la classe en vrai, Radagon. Ça va chier les bulles carrées. Et il m'a éclaté la tête surtout. Hein. Il va me casser la tronche. Je sais pas comment j'ai esquivé ça, mais je l'ai esquivé. Écoutez, mon pote a peur de rien. Hein. Oh, le Minik, c'était peut-être un peu trop facile là. Le boss de fin non respecté. Le boss de fin non respecté. Ah, ça se passait pas aussi bien la dernière fois. Hein. En même temps, on a changé de build entre temps. Mais ça se passait vraiment pas aussi bien, même avec le Minik la dernière fois. C'est terrible. La dernière fois, même avec le Minik, il me cassait la gueule. Vous revenez 10 heures en arrière, vous allez voir sur YouTube. C'est terrible, je passais à peine là, c'est honteux le double vraiment. Mais c'est terrible. C'est-à-dire que ce fight, il y a 10 heures,
même avec le double, il me pétait la gueule, mais genre horrible. J'étais même pas sûr de le passer avec le double. Ah, quelle honte le mimique, j'avoue. Bon, en même temps, je joue caster, est-ce que j'ai eu une honte ou pas? Non. Aucune honte. On vient des fight équipes et il le torche en 2 minutes. On dit vient des fight équipes. Ouais, ouais, des piques. Ouais, ouais. Et oui, oui. Mais non. Et alors là, deuxième musique la plus belle du jeu. Donc là, il faut réussir à les claquer ça avant qu'il fasse une invoque. Il va mettre contre sa table là. Qu'est-ce que c'est ça? Okay. Bon là, je pense qu'il faut y aller à l'épée. On est d'accord? Oh là, il va faire un truc. C'est pas une attaque horrible ça? Là où là? Il est là-bas. Je regardais pas mon écran pour regarder le stream. Je suis mort de chute. C'est quoi ça? Aïe. Ok. Il fallait que je cours. Ok, c'est noté. Ça doit être un scandale à combattre le corps à corps. Oh, mon Claude l'a pris là. Aïe, moi aussi. Retour. Troisième. Ok. J'ai raté ma lame. Il n'y aura pas de retour sur celle-là. Qu'est-ce que c'est ça? Ah putain! Alors là, attends, là il faut pas se faire niquer là. C'est son attaque du rond à la cour. Ah mais mon clone est dedans! Adieu! Adieu! Je t'ai aimé! Il est en vie! Mais il a combien de points? De milliards de points de vie ce mec! Aïe! Ah! Il a changé de target au milieu du truc! Ça allait péter là. Aïe! Bon, je suis mort. Adieu. J'essaie de mash pour me libérer le plus vite possible. Ok, c'est bon. Pendant ce temps, mon pote le bute. Hein. C'est même pas moi qui le tape. C'est même pas moi qui le tue. Aïe! Laisse-moi le dernier quand même. Oh, merci. C'est un vrai bro. Ok! Et ben on est passé limite. Dieu aussi. On est passé limite. GG, merci. Bon, même si là pour le coup, le mérite était limite. Mais le double, vraiment, Radagon, il l'a éclaté quoi. Un site de grâce juste là. C'est quoi la marque bleue là? Attendez, j'ai des niveaux à mettre. Non. On a dit 55, c'est bien. De quoi on avait dit qu'on mettait nos points là? Ah oui, dans l'esprit. Pour caster plus de trucs. C'est quoi ça? C'est-à-dire invoquer Rani. Toucher Marika brisée. Elle était en train de faire un dab, comme ça. Et elle s'est fait péter. Elle s'est fait casser en deux. C'est encore un choix, genre choix de la fin du jeu, là?
C'est ça? Là, je suis en train de choisir entre plusieurs fins, là, c'est ça? Bah, la fin de Rani, évidemment. La fin de la waifu. Obviously, la fin de la waifu. Obviously, la fin de la waifu. The battle is over, I see. Y a Rani et son gros simp en cosplay là. Ah, j'avais pas vu, y a sa tête par terre. Maman! T'es tout cassé, maman! Elle a 6 bras ou elle en a... Non, elle en a 4. On va recoller la tête avec la super glue. Pas du tout, elle va la péter. I do solemnly swear to every living being. And every living soul. Now cometh the age of the stars. A 1,000-year voyage under the wisdom of the moon. Here beginneth the chill night that encompasses all, reaching the great beyond. Into fear, doubt, and loneliness. As the path stretcheth into darkness. On voit pas du tout l'expression de mon personnage sous son chapeau. Oh, qu'elle est belle. J'aimerais tellement être habillé comme elle plus souvent. Donc là, c'est la fin de l'âge d'or et de l'âge de l'arbre sacré. Into... Well then, shall we? Et du coup, je serai le... Mais pourquoi elle me tend deux mains? J'en ai qu'une seule. Et du coup, je deviens le premier seigneur de l'âge des étoiles, quoi. Tu prends laquelle? Ben, je sais pas. Tu sais, il tend sa main en mode... Succès déverrouillé, l'âge des étoiles. Un monde créé par Hidetaka Miyazaki et George R.R. Martin. Dirigé par Hidetaka Miyazaki. Co-dirigé par Hidetaka Miyazaki. Programmé par Hidetaka Miyazaki. En tant que directeur de gameplay, Hidetaka Miyazaki et Hidetaka Miyazaki. Lead programmeur, Hidetaka Miyazaki. Serveur programmeur, Hidetaka Miyazaki. Graphic System Section, Hidetaka Miyazaki. Regardez tous ces gens. Parce que là, pour l'instant, je troll là. Mais tous ces gens-là, ils ont fait un jeu... Ils ont certainement crunché, parce qu'en plus de ça, ils sont au Japon, donc la crunch culture, c'est dans leur culture, mais en plus de ça, ils ont dû avoir une crunch culture par-dessus leur Japan crunch culture. Et ils ont fait un jeu incroyable, donc retenez bien tous les noms, il y a un questionnaire à la fin. Et bah, classe, franchement classe. Mais du coup, en fait, c'est un peu un scénario vraiment à la Dark Souls. Enfin, du moins, moi, j'ai fait que le 3, donc... Calme-toi la musique, par contre. J'ai fait que le 3, mais ça me rappelle vachement le scénario de Dark Souls 3, quand même. Le choix entre rallumer la flamme ou laisser l'âge des ténèbres s'installer. J'imagine que si j'avais pas fait la fin de Rani, qu'est-ce que j'aurais fait ? J'aurais été premier seigneur d'Elden, donc j'aurais choisi de raviver l'âge d'or en réassemblant l'anneau d'Elden. Bon, c'est un jeu qu'il faut faire plusieurs fois pour voir toutes les fins, quoi. Là, sur mon autre perso, je pense que je vais avoir une autre fin intéressante parce que
j'ai écouté, je sais pas si vous vous souvenez, Shabriri, quand on était arrivé à la contrée des géants, il a pris possession d'un mec avec un chapeau champignon là. Et il nous dit oui, franchement, tu vas sacrifier Mélina, t'es vraiment un connard, va plutôt faire ça et le chaos régnera sur le monde. Et je suis allé faire ça du coup. Et parce que j'ai du coup revisité les égouts un peu plus de fond en comble. Et j'ai trouvé ce que je cherchais. Et du coup, je vais avoir une autre fin qui va éventuellement être intéressante aussi. Mais du coup, Mélina me fait la gueule quoi. Just Cause Productions? Bon, en tout cas, quel grand jeu, putain! J'ai pour avoir clair le jeu, Pocket. Écoute, moi je voudrais remercier avant tout le Mimic qui m'a permis d'aller jusque-là. Non, en vrai, les fights deviennent quand même beaucoup plus faciles quand t'es caster et que t'as le Mimic. C'est terrible. J'en chie pas autant, j'en ai pas autant chié sur mon personnage secondaire qui est en mêlée. J'en ai vraiment, vraiment pas autant chié dessus. Je l'ai joué sacré, je crois, avec la hallebarde du mec du début du jeu. Et c'était très facile. Très, très, très facile. J'ai vraiment dû sortir le Mimic une ou deux fois. Genre, il y a eu Morgue, que j'ai trouvé horrible, quoi qu'il arrive. Morgue, vraiment, il en fout trop partout. Il me brainfuck, ce boss. Alors, j'ai pas encore fait Malenia avec mon autre perso, donc peut-être que Malenia va me faire péter un plomb. Mais voilà. Le Mimic qui prend l'aggro, tu peux full spell plutôt facilement, ouais. C'est qui son remplaçant? Alors, ça va être aux viewers de décider. Je vais faire un sondage. Moi, il y a un let's play que je vous aurais bien proposé, mais qui pourra commencer que dans 2 semaines. C'est Lego Star Wars Skywalker Saga. Ouais, Gerder. T'as loupé la fin. Il faudra que t'ailles voir. Ça va être une dernière rediff là qui va durer une petite demi-heure, je pense, ou une heure, je sais pas. En tout cas, là pour l'instant, la rediff finale ce sera ça quoi. Et ouais, t'as loupé la fin. Il y avait un petit bonus de Rani à la fin là. Je ne te spoil rien. Donc voilà, un truc que je vous aurais bien proposé, c'était Lego Star Wars Skywalker Saga qui peut être intéressant en let's play, je pense. Si vous avez aimé les Star Wars, ou même si vous connaissez pas la saga, parce que les jeux Lego sont toujours incroyables. Mais c'est dans 2 semaines. Donc il y a le temps. Et en plus c'est un jeu qui peut être facile à faire avec Zugi. Parce que les jeux Lego c'est très souvent du multijoueur. Du multijoueur drop, enfin les gens arrivent et s'en vont quoi. Bref. Et en plus c'est des jeux Lego, donc c'est toujours un peu drôle quoi. Les jeux Lego, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment de la full qualité. Donc voilà, il y aura ça. Sinon, il y a éventuellement l'idée de faire un let's play Breath of the Wild avec Crowd Control. Sympa, la saga Lego, ça fait longtemps que je les ai pas fait. Mais surtout que c'est un jeu différent. Allez, Sten, c'est pas les jeux Lego que tu connais. C'est un jeu plus orienté jeu d'action. C'est pas les trucs en caméra fixe qui avancent dans un couloir comme il y avait avant. Le gameplay restera quand même globalement le même, je pense, avec certainement des améliorations, parce que le gameplay des jeux Lego, il date quand même vraiment des années 2000. Mais voilà, ouais. Ça va être le même délire. Ça va être le même délire. Digital Business and Customer Experience. Ils ont voulu viser un public plus âgé. Ouais, ils ont... Je sais pas si vraiment il y a besoin de... Des dires du responsable dev. Ah ouais. Je suis resté au vieux Lego Star Wars. Après, globalement, bon, de base, c'est... De base, ça reste du Lego. Donc, comment dire, il y a pas vraiment d'âge, tu vois, pour jouer à ça. Mais effectivement, dans ce qu'ils ont montré dans le matériel de promo, si vous regardez vite fait le trailer, ce qu'ils ont montré du matériel de promo, c'est qu'ils se sont pas mal inspirés de tous les mèmes qu'il y a autour de Star Wars, genre le thick Kylo Ren, ça les a bien fait rire, par exemple. Ils le foutent dans leur trailer. Des choses comme ça, quoi.
Donc il y a de quoi faire avec ce jeu-là. J'avais du coup envie de vous proposer aussi le Breath of the Wild avec Crowd Control, mais le souci c'est que si les gens sont pas très motivés à venir un soir, il se passe rien quoi. Donc à voir. Et puis pareil, Breath of the Wild, comment est-ce qu'on définit un let's play, tu vois? Parce que si je vais directement au boss de fin, bon en même temps tu me diras, si vous me cassez les couilles et que vous m'empêchez de passer le boss de fin aussi. Mais ça peut être un bon moyen de vous faire dépenser vos churros. Donc voilà, il y avait ça. Du coup, pourquoi pas un soir où tu mets un peu d'horizon? La semaine prochaine, tu veux dire, en attendant? Peut-être. Non, mais oui, je pour le coup, JPP, t'inquiète pas, hein, c'est vraiment... En fait, il faut bien comprendre un truc avec le trolling en règle générale, notamment, parce que là, tu précises une question sérieuse. Comment dire? C'est que même quand les gens trollent, la première fois que tu lis la phrase, tu l'analyses dans son entièreté, et il y a toujours, moi de mon côté en tout cas, une part de mon esprit qui lit une question ou une réflexion de manière sérieuse avant d'ensuite de la relire sous le spectre du troll. Et donc là, quand tu dis pourquoi pas un soir où tu mets un peu d'horizon, d'abord je la lis en mode pourquoi pas un soir où je mets de l'horizon, sérieusement. Et souhaitez-vous débuter une nouvelle aventure 2 Non, je le ferai plus tard. Je le ferai plus tard. Donc là, c'est l'âge des étoiles. Tout le monde est mort au bastion de la table ronde. Et si je sors dehors, il se passe quoi? Si je vais... Si je retourne... au trône d'Elden. Il y a un endgame. Non, je crois pas. Hein. Vraiment, les FromSoft, ça se termine à la fin. Le endgame, c'est tu recommences une partie depuis le début. Le endgame, c'est recommence. Qu'est-ce qui se passe si je vais ici, là? Il y a un deuxième combat? Ah, je peux plus y aller. Je peux plus aller dans la salle de fin du jeu? Ah, je peux plus y aller. Chambre de la reine. Donc en fait, là, on s'est vraiment fait enfler, quoi. L'âge des étoiles, l'autre elle règne, et puis moi je suis dehors quoi. À me péter les couilles. Ok. Bon alors les viewers, il faut que je vous montre mon autre perso du coup. 73 heures, hein, niveau 155. Il faut que je vous montre mon autre perso. Alors pas le perso que je joue actuellement. En secondaire parce qu'il est chouette, mais je vais faire du PVP avec Cohen là. Il est incroyable, Cohen il est super. Il a un build qui est il est là le perso que je vais vous montrer. Il a un build qui est super. Il joue autour du saignement. De toute façon son masque indique qu'il joue autour du saignement hein, globalement. Avec l'arme de Morgue. Du coup t'as fait la fin de Rani. J'ai fait la fin de Rani. C'est ça que tu pourras aller voir hein, du coup si t'as envie. Des bisous à toi JPP. C'est lui le perso que je vais vous montrer. Et que je vais continuer à jouer un petit peu jusqu'à la fin du stream. Donc il commence tout juste le jeu. Regardez-le comme il est beau. Regardez son visage heureux. Attendez. Regardez son visage heureux. Regardez comme il est content. Voilà. Il s'appelle Trompoumpoum. Il a été nommé par Zugi. Zugi qui a toujours effectivement des idées incroyables. Et j'ai fait des transferts d'objets. Donc ce perso-là, il va commencer avec les cornes. Et donc les cornes, putain je suis en charge machin, c'est ces petites armes qui sont des petits marteaux tout mignons là, et qui vous permettent, si vous vous démerdez bien, de jouer de la musique, mais pour l'instant j'ai pas la foi pour jouer avec. Mais je vais essayer de jouer un let's play avec ça, et surtout Zugi a exigé que ce soit le personnage qui l'accompagne dans son jeu. Pour l'instant il sait pas jouer donc voilà, il faut que j'atteigne combien de fois? Il faut que j'atteigne 18.
Parce qu'après là je crois que j'ai la force qu'il faut pour Dual Wield, donc il me faut encore 8 niveaux. 8 niveaux pour mettre de la foi. Alors. Donc, on va vite fait, là c'est le early game, hein. Là pour le coup on peut reprendre absolument tout ce qu'on veut et se balader et faire ce qu'on a envie. Je crois que j'avais, ah oui j'avais débloqué juste la questline de comment il s'appelle, de Blade. Je vais peut-être aller faire vite fait son boss fight. Quoique en vrai je peux me balader dans le reste du jeu, hein. Si j'allais plutôt faire ce qu'il y a au lac d'Aguil, là, je vais aller faire le lac d'Aguil. On va aller au commencement vite fait. Donc voilà, les bonus DVD, c'est un petit peu de trompette. Je suis déçu de pas avoir trouvé comment finir la quête de Millicent, mais elle bougeait pas du tout. J'ai peut-être pas assez exploré la zone, hein. Peut-être que j'aurais dû prendre plus le temps d'explorer la zone de Malenia. Peut-être que j'aurais débloqué un truc. Mais bon, je ne regrette rien. On a fait la fin de Rani et voilà. C'était le meilleur outcome possible. Alors. Il doit y avoir des chiens là, non? Ah, il y en a un là. Ok. Il doit y avoir un autre chien là, quelque part. Là. Ah, le con! Saleté! Saleté! Voilà. Il y a un troisième chien, je crois, dans ces ruines. Du coup, maintenant, leur lit, je le connais quand même globalement bien. Yui Xing. Yui Xing. Paraît que c'est globalement la moins mauvaise fin. La moins mauvaise ? C'est-à-dire la moins mauvaise. Qu'est-ce que ça veut dire la moins mauvaise ? Ah, il est là le chien ! Ah non, c'est juste un mec recroquevillé. Enfin, je sais pas. La fin du Seigneur de la Mort est pas ouf. La fin du Seigneur de la Mort, je crois que je pourrais la faire sur mon autre perso parce que j'ai fait la suite de quête de Fia. C'est ça? Ça va pas vous, hein. La compagne mortuaire. Son boss est très nul. À elle. J'ai pas compris la difficulté, quoi. Je l'ai trouvé moins dur que le dragon qui garde l'entrée de comment ça s'appelle, hein. Ah, la petite lame double que je peux équiper ou pas, hein. Je vais avoir la dex. J'ai pas la dex. Que j'ai trouvé plus nul que le dragon à l'entrée de Farumazula. J'ai trouvé ça assez impressionnant. En fait, faut juste faire attention à pas être dans ces AoE de mort. Mais qu'est-ce qu'il y a de... Je sais plus ce qu'il y avait. Est-ce qu'il y avait une attaque qui m'avait vraiment fait chier? Je crois que je suis mort une seule fois sur... Il y avait deux chiens en plus! Voilà. Je sais plus si c'est intéressant de me faire TP là. Je sais plus ce qu'on obtient dans le coffre si on se fait TP. Je vais certainement me faire éclater la tête, mais bon. J'aime tellement son turban en vrai. Et sa tête. Vraiment, ce perso, je suis heureux de l'avoir fait. On s'est éclaté. Attendez, il faut que je vous montre son visage quand même. Son visage est parfait aussi. En fait, on est parti du principe qu'il devait être trompettiste. Du coup, on est parti du principe. Attendez, on voit pas ses beaux yeux verts là. Du coup, on est parti du principe qu'il fallait qu'il ait des grosses joues. Voilà. C'est trop poum poum. Il est parfait. Il est absolument parfait. En fait, c'est terrible parce que quand j'ai commencé le jeu,
j'ai je sais pas si vous vous souvenez, l'éditeur de personnages, je le faisais à la manette. Et en fait, c'est trop long à la... Je sais pas comment ça se passe sur console, du coup, comment est-ce que les gens font pour faire des personnages marrants. Mais à la manette, c'est long et chiant. Alors que si vous allez à la souris, ça se passe très bien. Si vous allez à la souris, vous pouvez totalement voir ce que vous faites. Et du coup, je me suis bien marré. Non. Pas envie. Oh si. Oh non. C'est tellement facile à esquiver ces pièges en fait. Y a pas de mimique d'ailleurs dans à part l'alarme qui copie là. Y a pas de mimique. Excusez-moi, je mettais juste à jour les informations sur, voilà, sur Twitch. Ah, c'est de la merde, hein. C'est bien ce qui me semblait. Ok. Pixel ! Pixel l'esquive ! Incroyable. L'esquive a été faite au pixel. Il y a eu un petit lag, mais l'esquive a été faite au pixel. Impressionnant. Ok, donc là, bienvenue en Kaelid, on n'a pas envie d'y aller du tout. Il faut que je me repose aussi de grâce pour pouvoir me re-téléporter. Vraiment, ce casque est trop beau. Hein. C'est... En plus, avec la petite cape, c'est très drôle. Mais ce casque est trop beau. Alors, attendez. Du coup, viteuf. Déjà, je pense qu'il faut que j'aille activer... Ah merde, du coup j'ai pas fait le lac d'Aguil, j'ai fait les ruines mais j'ai pas fait le lac. Il faut que j'aille activer, je pense. Parce que je pense que je l'ai fait pas assez sur mon chemin, il faut que j'y pense. Et c'est un truc qui est très important si vous voulez faire de la coop. Ça je pense que c'est un truc que j'aurais bien aimé que le jeu soit me le dise, soit le fasse automatiquement pour moi. Ces trucs là, il faut, voilà, il faut penser à les activer. C'est hyper important dès que vous en voyez un parce que c'est là que vous allez pouvoir... je sais pas comment ça se passe après, mais en multijoueur... Poser des marques d'invocation qui seront visibles pour tout le monde dans une très grande zone. Je sais pas comment dire. Genre plutôt que de la mettre au sol à un endroit précis et être obligé de vous baser sur un lieu de rendez-vous, vous pouvez poser votre truc là et ça se démerde quoi. Ok, une petite pierre de forge 1, très bien. Donc les ruines du lac d'Aguil, on les a faites, c'est bon, il n'y a plus besoin. Est-ce qu'on peut faire Aguil tout de suite là? Est-ce qu'il est faisable avec notre niveau? Déjà il y a lui là. Malheureusement, oh là. Malheureusement pour lui, bon, je sais jouer au jeu quoi. Oh! Elle est moins bien? Elle est moins bien. Je vais pas m'enlever trop d'armure non plus, parce que déjà de base mon turban m'en enlève. Attends, par contre, ça y est, là que ça recommence là. Où est le site de grâce dans le coin? Je sais qu'il y en a un au sud. Il est là. Pas ma connaissance de quoi, noir. Est-ce que je peux monter de niveau là? Non, déjà 1038. C'est un putain de piège ça, on est d'accord. Hein. Mourir. Adieu. Aïe, aïe, aïe.
Quoi? Adieu. Tu parlais des miniques tout à l'heure. Oui, d'accord, oui. My bad. My bad, en effet. Oui, oui, les miniques, pas à ta connaissance. Bon, bah, j'ai une montée de niveau. Je prends, hein, pour l'instant. Mon perso a une arme plus 1. Giant Enemy Crab. Salut, Horizon. Regarde mon trompettiste comme il est beau. J'ai loupé quoi? T'as loupé Malenia au Mimic et le boss de fin au Mimic. J'ai pas réussi à faire la quête de Millicent, je savais pas où il fallait aller. J'ai eu envie de terminer le jeu, je me suis peut-être un peu pressé. En avant la fanfare. Bah, il faut que j'ai 18 de fois. Avant de pouvoir commencer à faire des bulles de manière sérieuse. Mais ça va arriver vite parce que là on va aller faire Aguil. Là. Qui devrait pas opposer trop de résistance normalement. Par contre, je sais pas pourquoi j'ai une fiole de mana. Parce que j'ai foutu encore. Aguil qui s'ajoutera à Talos là. Mec, qu'est-ce que tu fais? Allez, Aguil! Ta tête là! Oh, il est chiant. Allez, encore. Ok, donc là, il faut esquiver en s'éloignant. Fois face à elle. Ah, tu l'as fait sans invoque, c'est ça? Oh le bâtard. Oups, c'est non. Allez. Ah, t'es juste relou, Aguil. Il est parti foutre là-bas, putain! C'est ça, oui. Très bien. Sans invoque, ouais. Ouais, ouais. Ah, moi je suis petit sexe. Quand je suis avec mon match, je suis petit sexe. Hein. Je suis désolé, les viewers, vous avez vu. En vrai, je tiens à m'excuser auprès de toute la commu parce que vraiment, ce let's play, j'aurais vraiment pas dû choisir de le faire en mage. C'est un gameplay avec lequel j'ai vraiment pas assez d'habitude de jeu. Et je trouve ça vraiment trop dur de jouer caster. Vous avez trop de trucs à gérer. Vous devez passer votre temps à switcher entre plusieurs spells. Les boss sont capables d'esquiver. Voilà, les boss sont capables d'en esquiver certains. Du coup, vous êtes obligé de changer de plan à la volée. Vous avez votre mana à gérer. Vous avez votre vie à gérer parce que vous prenez des coups comme tout le monde en fait. Ok. Bon, Yissan, tu veux que je te dise comment finir sa quête? Non, je trouverai avec mon autre perso, t'inquiète. Prends l'argent. Non, mais voilà, c'est. Du coup, en fait, le truc c'est que vous auriez vu mon. Alors après, avec l'autre perso, je connaissais aussi plus le jeu, mais vous auriez vu mon gameplay avec mon autre perso, je pense que ça aurait été beaucoup plus satisfaisant pour vous. Parce que les combats sont beaucoup plus épiques en mêlée. Tu veux bien ? Vite. Je vais faire sa flamme. Ah, on est trop loin de ton spawn, d'accord, ok. Et notamment, bah voilà, sur l'autre perso, j'ai plus d'habitude de jeu, du coup j'ai pas été obligé de sortir le mimic tout le temps quoi. Merde, j'ai trop. Non! J'ai paniqué. Là. Il va faire son attaque à la con. Ok. Oh. Oh, c'est ma chance. Spray. Fra.
à faire là. Ok. Mais il est revenu aux ruines ce con. Allez, sors de là. Je suis coincé en plus. Viens, on s'en va. Il est d'accord. Il dit qu'il est d'accord. Oh là, vite, on s'enfuit. Vite. Oh la flamme. Ok. Ça a failli mal se passer. Mais mec, t'es dans l'abus. Allez. Merci. J'arrivais pas à le finir, putain. J'étais avec mon bâton en mode. Allez. Ok. C'est bon, on a débloqué un spell. Alors, on va aller faire la mine vite fait là-bas, là. C'est ça. Arteria. Très intéressant. Ah. Bon, pour l'instant, mon build ne sert à rien, mais incoming le cheat, hein. On va bientôt être à 18 de fois. Elle est à partir de combien la petite arme? 16. Bon, à partir de 16, on peut jouer avec celle-là déjà. Allez, let's go. Je sais pas comment est-ce que je vais les jouer d'ailleurs ces armes, parce que pour le coup, en gros, pour vous donner une idée, celle-ci, elle a un scaling moyen en foie et en force. Donc on peut la jouer force. Celle-ci, elle a un scaling plutôt nul en foi, elle a un bon scaling en force et en dextérité. Donc elle, il faut la jouer force. Mais elle a un scaling qui est pas terrible en force et un bon scaling en foi. Du coup, je suis pas sûr de la répartition de stats de ce perso. Parce que je pourrais aller jusqu'au soft cap en force. Ah, il faut que je monte de niveau avant de perdre toutes mes runes. Parce que là en plus je vais dans une zone où je pense que les ennemis je vais leur faire 0 dégâts. J'ai une petite arme plus 0 là. Ouais, voilà, c'est ça, je leur fais 19 par coup. Donc on est parti pour un grand moment d'anthologie là. 28. Au secours. Ah, par contre, j'avais oublié que cette arme elle était cheatée en early game. Parce qu'elle permet de faire du poke infini. Donc, tant que vous staggerez les ennemis, tout va bien. Tant que vous staggerez les ennemis, c'est bon. Tant que vous staggerez les ennemis, que vous avez de l'endurance. T'as refait un perso, j'avais pas capté. Oui, c'est mon trompettiste. Je viens de me réveiller, lol. C'est mon trompettiste. J'avais dit au dernier stream que j'avais envie de faire un trompettiste avec les trompettes. Donc, hier midi, j'ai farmé vite fait avec mon perso Arcane, Cohen, mon perso qui fait des saluts. Ah ! Je les oublie à chaque fois, eux. C'est les pires. Ma perte de vie de tout le donjon va se faire ici. Toutes les pertes de vie que je vais perdre, elles vont être là. Même pas sur le boss. Oh ! C'est bon, à partir de maintenant je perds plus de vie. Il a tellement une tête parfaite en plus ce perso. Alors. Ok. Ah non! Donc là, il y a le chien plus son connard. Merde, putain. Et là, c'est le décès. Non, c'est bon. Ouf. Ouah. If
Adieu. Bon, j'ai menti du coup tout à l'heure, j'ai perdu un petit peu de PV aussi. Je vais utiliser ma fiole dorée. Qui pour l'instant ne contient absolument rien. C'est terrible ce jeu quand vous repartez en early game. Tout est très facile et en même temps vous vous rendez compte que vous avez vraiment pas beaucoup d'outils. J'ai fait de la merde. La pioche, je peux pas l'équiper par hasard? Si je l'ai dual wield, ça marche très bien. Voilà, ça fera un peu plus de dégâts déjà. Ok. Par contre, ça ne va pas du tout avec mon turban quoi. Turban plein de sang d'ailleurs maintenant. Quelle horreur. Je pense que pour ce perso, il faut que je désactive le sang. Je pense que pour ce perso, et je pense que ce perso est trop pur. Il a une âme trop pure, je pense qu'il faut que je désactive le sang. Ça dégage. Ça s'en va. Pourquoi est-ce que je fais ça alors que en réalité il réagira pas? Ah, il a un pote par contre, merde. J'avais pas vu qu'il avait un pote. Merde, il a un pote derrière. Son pote a pas réagi, incroyable. Ça par contre il faut que je le fasse. Merde. Ah, je vais en prendre plein la gueule. Son pote ne réagit pas, c'est inespéré. Mais mec, t'as mis tellement de temps à sauver ton copain. T'es dans l'abus. Abus plus déni. Pif. Baf. Ok. Ça ne va pas du tout avec le turban, hein. C'est terrible. Ça ne va pas du tout avec le turban. Alors. Donc là, il faut que je réussisse ce saut. Mais je suis pas obligé de faire la version difficile. Voilà, je peux aller juste là. Et là. Ok. J'avais besoin de ça. Allez, c'est y part pour le boss. Bon, celui-là, je le fais en eau invoque. Hein. Je me sens chaud là. Je le fais en eau invoque. Oula. Oh, je l'ai raté. Les boules. Qu'est-ce qu'il fait? Ah bah dommage. Dommage. Je sais pas ce qu'il a branlé. Bon voilà, j'ai réussi à le faire en invocation. Balèze. Vous soyez admiratif. Oh, easy. C'était parce que je pense que ce boss au début, je sais même pas si je l'avais first try ou pas la première fois que je l'ai fait ce boss. Mais je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque on était en slip et en fait juste la différence d'équipement fait que bah, les boss me one shot pas du coup facile. Alors je crois qu'il y a encore un truc à faire dans le coin. D'ailleurs, la question que je me pose, c'est si je fais Godric, là je pourrais plus du coup invoquer les gens ici. Si dans cette zone là, je pourrais plus les invoquer. Par contre, je me suis pas récupéré mes potions, je vais crever. Ça va être très cringe. Je vais mourir parce que j'ai pas de potions. Faut que j'attende que l'autre arrive du coup.
que j'attende que l'autre arrive. Je sais plus par où il débarque l'autre. Viens par là, on va te bait par ici, comme ça on pourra te contourner. Comment il va plus vite que moi en courant? Wouh! Est-ce qu'il arrive l'autre ou pas? Il faut que j'engage le combat pour que l'autre débarque ou ça se passe comment? Ah, voilà. If it isn't Nereus, bloody finger, the end is nigh. Oh non! Oh la connerie! Oh! Aïe! C'est bon. Il est très chiant en early parce qu'il fait des saignements. Ok. Bordel. Oh, viens. Oh là là. Oh la boulette. Il a essayé de se soigner. Ah! Non. Voilà, ça dégage. Très bien, bravo. Et voilà, il est revenu ici. Hop. Lui, je sais pas s'il est intéressant ou pas. Bon, en tout cas, ça fait 5000 et quelques runes, donc ça fait plaisir. Oui, bien plus tard. Oui, bah c'est. Mais on le recroise pas en tant que lui. On le recroise bien plus tard en tant que Shabriri, quoi. D'ailleurs, je pense que je vais faire sa fin du coup à lui, avec mon autre perso. Qui a l'air d'être assez dingue d'ailleurs comme autre fin. Ok, 16 de fois. Je peux commencer à jouer le petit marteau comme ça. En le dual wieldant. Et je peux faire des bulles. Ça y est, je suis officiellement un joueur de trompette. Ça a l'air nul. Au secours. Ok. Je peux touter les gens. Écoutez, je vais les touter, hein, je pense. Hein. C'est parti. Je vais quand même avoir hâte de débloquer les 18 de fois quand même. Il y en a un deuxième là. Ne la fais pas à moi, regarde, hop, descends. Pif, non. Pif, paf, oui. Avec sa petite trompette à deux mains là. Elle est minuscule, regardez. Pif, paf, pouf. Ah, j'espère qu'il y aura des DLC sur ce jeu, il y en aura sûrement. Mais il faudra être niveau combien pour finir les DLC tranquillou? Honnêtement. Ah oui, d'accord, il y en a encore un là. Oh mon dieu, trou combo! Trou combo avec la bulle. Incroyable. Par contre, j'ai aucune range avec cette arme, c'est terrible. Faut vite que je débloque la suite. Eh oui, forcément. Eh oui, mais ça, par contre, vivre dans des catacombes et pas être au courant qu'il y a des pièges, c'est dur, quoi. Hop. Regarde, eux, là, les deux, là. Ils vont se rapprocher. Et ils vont continuer à me tirer dessus? Bah écoutez, si vous voulez jouer à ça, pas
de problème. Hein. Noobs. Le niveau, tout dépend de la difficulté que tu veux après. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Bah là, typiquement, tu vois, moi, le boss de fin, bon, je pourrais pas dire qu'il a été difficile, quoi. Le mode facile existe dans ce jeu, quoi. C'est vraiment les mimiques. En fait, même pas forcément les mimiques, je pense juste les invoques. Je pense que j'aurais pu, si j'avais eu... Oula. Si j'avais eu pas la flemme, je pense que j'aurais pu... J'aurais pu... Ils sont pas aussi morts, non ? Mais, que fait la caméra ? Au secours ? Éloigne-toi de ce piège, tu veux. Ah, mais il est chiant. Oh, je vais lui mettre tous les doutes du monde là. Allez, ta gueule. Voilà. Historiquement, le mode facile des souls, c'est la magie, sauf pour le 3 où ça a été trash nerf. Oh, j'ai fait le con avec le piège là. Ok. Ouais, dans le 3, globalement, la magie était pas hyper intéressante quoi. Mais là, alors, honnêtement, dans ce jeu, la magie sans les invoques, je trouve ça dur. Regardez, il fait moins le malin. Est-ce que je peux le battre uniquement avec la trompette, je pensais. Oh le bâtard, il esquive mes bulles! Pas pouvoir. C'est absolument parfait comme gameplay. C'est absolument parfait. Non ! Il a éclaté. Oh là là. Je vais pas me garder pendant que je joue avec les bulles. Ok, bon, j'ai plus de bulles, c'est fini. Allez, aïe, aïe, oh là là, oh là là, oh là là. Ouais, note, j'ai pas de règle. J'arrête de me gratter. Ça me gratte la moustache. Il est sacré allongé quand même. Hein. Aïe. Oh là là! Ah ouais, il m'a battu! Oh là là! C'est pour ça que je déconseille Sekiro et Bloodborne aux débutants car t'as pas vraiment de magie ou d'autres moyens de faciliter le jeu. J'avais ma moustache qui me grattait quoi. Bon attendez, pour le coup les bulles c'est marrant mais je vais jouer au poker parce que c'est horrible. Je vais jouer au poker parce que c'est horrible. D'avoir si peu de range, c'est affreux. Moustache aide. Je pense qu'on a bien fait. En plus, je pense qu'on a là. Franchement, sur ce jeu là, on a bien fait quoi. 500 morts. Facile. Regarde-le là. Non, je suis Spartacus. Gif. Par contre, je suis vraiment désolé, hein, mais bon, ça, je le fais pas avec un perso qui fait de la magie. Oh la boulette. Pif. Honnêtement. Honnêtement. Merde, oh le con. Qui gagne à ça.
Pif. Pif. Voilà. Et du coup, les petits diablotins vont venir me casser les burnes. Vite, je reprends ma trompette. Et là, je vais avoir 4000 runes, c'est assez pour monter de 2 niveaux, non? Ah non. Bon bah, j'ai eu un autre gros marteau, je crois. Hein. Non? Ah non, j'ai eu les cendres de machin, là. C'est quoi, ça? Invoque l'esprit du chevalier banni, Engval. Ah bon, mais j'ai déjà une cendre d'âme cheatée, là? Pourquoi j'ai déjà eu une cendre d'âme de héros là? C'est abusé. Donc oui, voilà, la magie en vrai, il y a des combats où ça va et d'autres combats où vraiment c'est pas plus facile quoi. Il y a des combats où justement tu ne peux pas, bah genre typiquement Malenia sans invoque, je pouvais pas reprendre mon souffle quoi. Ça n'existait pas. Il n'y avait aucun moment pour ça. Du coup, maintenant que j'ai fait cette zone, il n'y a pas une autre grotte par là, là, équivalente aussi, là? Avec patches à la fin. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire sa questline? Il est chiant, juste, il est chiant comme la pluie. Je vais faire la questline de Blythe. Maintenant que je peux tirer des bulles. Juste parce que sur ce perso, je vais avoir besoin du médaillon qui est vendu par Iji. Barrez-vous. Je tue personne. C'est ridicule mes dégâts. Enfin ma range et mes dégâts sont hit-drop. Oh putain le bâtard. Ok, tu l'auras voulu. Aïe. Mais il met combien de hits ce petit con? En tout cas c'est quand même vraiment terrible parce que si vous jouez chevalier dans le jeu, enfin si vous jouez, pardon, pas chevalier, vagabond, enfin les ennemis dans l'overworld ils vous font rien quoi. Même en early, j'ai rien mis en vitalité pour l'instant, je crois. Hein. Ce truc-là est même moins résistant que mon casque de base. Vous pouvez juste pas mourir en early, quoi. Ok. Donc là, la quête de Blythe. Ah merde, la rediff dure depuis 1h18, du coup. Pardon.